combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Bonjour Moukoumou. Vous allez très près? Ça va. Moi c'est la chose BTC. C'est la BTC. Déjà, il est là. Moi, je m'appelle Kishala Mwapé. Je suis le président du comité local de développement du quartier Ganga Jamaïque, où nous sommes. Nous sommes sur l'avenue Bompété dans ce quartier. Ouais, vous avez milité beaucoup, travaillé dans le sens que ce qui va se faire aujourd'hui puisse se faire. Quel est votre sentiment et votre message oui. D'avoir eu cette nouvelle? Oui, c'est depuis plusieurs années que nous sommes en train de chercher que cette avenue qui est l'artère principale de notre quartier et qui donne accès également au Kanluka puisse être asphaltée pour permettre à ce que les habitants de ce quartier puissent bénéficier également des avantages qu'offre une infrastructure moderne. Et quand ça va se passer aujourd'hui, c'est le plaisir de tout le monde. C'est le plaisir de ceux qui ne sont même pas ici, mais en attendant seulement que ça va se passer, ils sont contents. Ça fait plaisir à tout le monde. Un message particulier à lancer peut-être aux bénéficiaires en amont des travaux de la population.
Le message, tout le monde sait. Parce que c'est aujourd'hui, c'est la concrétisation de tout ce qui a été demandé et tout ce qui a été donné comme information à la population. Aujourd'hui, ils voient que la chose qui a toujours été promise est en train de se faire en réalité. C'est le président de la République, c'est dans le cadre du projet présidentiel. Le message adressé au président, c'est le message de remerciement. C'est le message que toute la population du quartier ici lui adresse. Ils lui disent grand merci pour ce qu'il va faire pour nous. C'est la preuve de sa grandeur comme chef de l'État, de sa grandeur comme papa de tous les enfants de ce pays. En pensant à nous, il a pensé à ses enfants. C'est pour cela que nous lui disons sincèrement merci. Voilà. Monsieur Ibush Goga, Naza, chef du quartier à Nganda, comme on appelle Jamaïque. Ah, on appelle Tosa Nakati à quartier Nganda, Jamaïque, na commune à Kitambo, na ville province à Kinshasa. Ouais, bah, toi, je suis chef du quartier. Premièrement, la CPL, nous, na Makambo et au Salami, parce que Avenue O, apparemment, Zaki, coin O, Zaki abandonné. Tosa ma promesse, c'est belé, Lélo, na CPL, ma casse, na chef de l'État, n'a Kanisi, coin O. Longtemps abandonné, Bengba, Bonisango, en tout cas, dans ce pays, Makas, au nom, il y a Badimistre Nangaï. En tout cas, tout ça, c'est un Makas, il y a une activité au chef de l'État. Merci beaucoup, je suis le représentant de Gênes du quartier Jamaïque, Ganda Louboudi, aussi vice-président de la Ligue des Jeunes IDPS. Je suis monsieur Hippo Loabéa. Monsieur Hippo, quel est votre lecture aujourd'hui? Nous sommes très heureux, très honorés par le président de la République d'abord, par ses gestes de considération. À plusieurs fois, nous l'avons reçu dans notre quartier voisin de Kanluka. On est très contents, c'est par les efforts de tous, de notre papa, le CP Marcelin, qui est fils de Jamaïque, de toute la hiérarchie de l'UDPS. On s'était battu corps et âme pour obtenir aujourd'hui ce que nous allons vivre ensemble. Cela va à l'intérêt de tous, à l'intérêt de la population de Jamaïque. Vous comprendrez l'importance de cette route, combien elle est très importante pour nous, population de Jamaïque. Nous sommes très heureux, le sentiment de joie nous anime. Au chef de l'État, nous disons merci et nous l'invitons. Nous l'invitons comme il a fait à deux reprises au quartier Kanluka. Nous l'invitons qu'ils viennent voir les travaux qui vont se faire suivant les recommandations du CP Bilomba. Les travaux vont se faire en maximum 3 mois et on sera très content de recevoir pour la première fois dans ce quartier un chef de l'État. Comme aujourd'hui au Kanluka, les choses sont très claires. Depuis que ce quartier existe, c'est la première fois qu'un chef de l'État vienne rendre visite à ce quartier. Et ça sera aussi pour la première fois pour ce quartier Jamaïque. Nous serons très contents de recevoir le chef de l'État que tout le monde aime et appelle Fatih Béton, Moukantombolo. On sera très contents de le recevoir. Je m'appelle Pierre Mbayo. Je suis directeur technique de l'entreprise Aron Sefou. Aujourd'hui ici. Oui, nous sommes venus parce que nous allons démarrer les études pour la réhabilitation de cette avenue, l'avenue Bompété. Et les travaux sur cette avenue vont commencer par les assainissements. Après les assainissements, ça sera les travaux de la chaussée proprement dit.
La longueur, oui, la longueur de la, de, disons, de l'avenue, c'est aux environs de 2 km 700. 700, ouais. À peu près 3 km. Et ça sera pour 3, la durée des travaux est prévue pour 3 mois hors intempérie, au minimum. 3 mois hors intempérie. Et la chaussée sera en souple. Hein. Donc, c'est, ouais, ça sera une chaussée souple. Essayez de localiser un peu. Ouais. Pour les gens qui les travaux vont commencer où et vont se terminer? Ouais, les travaux commencent de l'avenue chrétienne jusqu'à l'avenue cimetière. Là où il y a. C'est, ouais, les musulmans. À la, ouais. Ouais, les travaux seront financés par le gouvernement central, donc le trésor public. Ouais. Qui va coordonner les travaux? Les travaux seront bon, c'est l'entreprise Aaron Chef qui fait les travaux, mais sous le contrôle exécute. Mais il y a le, l'OVD et puis il y a le BTC. Le contrôle et la surveillance, l'OVD. Le coût des travaux? Non, les études sont, viennent de seulement de commencer. Le coût sera donné après les études. Est-ce que la route sera éclairée? Oui, la route sera éclairée. L'éclairage public, oui. Ce sera en panneau solaire. Nous sommes dans le quartier Nganda. Le Boudi et Jamaïque pour les intimes. C'est un quartier qui appartient à la commune de Kintambo, au district de la Lukunga. Ma présence est justifiée par l'événement si important. L'événement qui est vraiment très important, l'asphaltage de l'avenue Bompété. L'avenue Bompété, c'est une avenue qui traverse le quartier Jamaïque qui est habité par plus de 9 700 ménages. Alors, selon les informations de notre possession, vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup plaidé pour que cette avenue soit asphaltée. Comment vous sentez aujourd'hui? Vraiment une grande joie. C'est une période vraiment, c'est un moment le plus important de mon existence. Parce qu'après avoir lutté pendant longtemps, et sachant que l'argent qu'on a toujours déboursé pour faire cette avenue a toujours eu la destination finale, les poches des dirigeants. Mais cette fois-ci, nos démarches ont abouti à une réalisation palpable. Très bien, c'est un programme présidentiel. Le message que vous avez fait au chef de l'État et aussi au conseiller spécial. Vraiment, je suis très content. Moukwantombolo Fati Béton, le peuple qui habite Jamaïque, le peuple congolais résident dans le quartier Jamaïque a vraiment une grande joie. Hein, une grande joie de ce que vous venez de faire. Sachez bien que ce peuple va vous réélire et vous donnera une grande majorité. Une majorité écrasante aux élections de 2023. Il n'y a que ce qui nous manquait. Parce que plusieurs présidents sont passés, n'ont rien fait. Maintenant, vous êtes venu, pas même un mandat, mais vous avez fait ce que les autres n'ont pas pu faire pendant plus de 32 ans. Et les ceux de 18 ans aussi n'ont rien fait. Parce que nous sommes ici dans ce quartier depuis 1985. Mais on n'a jamais vu se réaliser des travaux tels qu'ils vont s'effectuer maintenant. Vraiment, nos démarches ont abouti suite au parrainage de Marcelin Bilomba. Marcelin Bilomba a été pour nous un grand soutien. Et sans oublier les CP,
Moukeba des infrastructures. Ce sont des gens qui ont lutté pour que nous puissions avoir cette réalisation, cet ouvrage, ces désenclavements. Et surtout, on nous a dit que, par le technicien, que la route sera aussi éclairée. C'est ça le grand problème en Jamaïque, et qui va bannir toute velléité d'insécurité. Donc, nous sommes très contents, très contents. Nous ne savons pas à ce moment ici comment exprimer notre joie. Bandekoba Bolingo. Bandekoba Bolingo. Awa tozana quartier Jamaïque. Quartier Oye et Oumeli, Nakati Amolili, Nakati enclavement total. Le Loyo, quartier Jamaïque, Ekozoua, Nzela, Oekozala, ya macadamisé, Nzela asphalté, Ekobanda, na avenue chrétienne, ti na avenue bananier. Donc, désenclavement Ekozala total. Et puis, Ekozala éclairé. On a quoi empêcher que Bato, Badongolomiso, Banana biso bazangi ko sala likambo malonga baya ko sa ko zwa biso lokola ba cible na bango. Merci mingi pona mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi. Merci mingi pona gouvernement congolais oyo eza dirigé par Sam Lukonde. Merci mingi na bandeko nyonso o balitaki po ete nzelo ekoka ko salema notamment Marcelin Bilomba, CP Mukeba, David et puis Bayike. Wakate mbole lweu maluoso tuwabele la meji akumbanyi mkachi mwetu mkarte ya katutubikile Jamaiko bana betu wakate mbole lweu Jamaiko na ikala asfalte grâce à la gestion rapprochée au peuple oyo mukwantombolo a mukwantombolo udumu musanga bwa kwenza lelo tuju twenza jilo wa Jamaïque na aide peuple bantu ba somba mu Jamaïque bwa bikala bahatuka balukile jibe jo suji baswa parce que Jamaïque udu we mukala mu cité mukwaba mu quartier ka kwabu bwa kwalukile ka juje le meji na pichile hen. Et surtout à Dumvulu Loka, Kakutumushin de To. Le Lueu, Bukola, Mukantombolo, Bahejwani, Tetuet and Jilawa Kabudimbo, Udu Nyanyamani, Jilawa Kabudimbo, Udu Permetre Bani, Tetuikale Tuatuka, Tualgilejibe to the Baswa, Tangata Taxi, Utushilakum Palakwan Zubietu, Kichilum to Nati Dijinga, the Tuvana Dijinga, the Tujinijisanga Jabuni, Wakuheta Chintuachilel. Alors, Jilau di kilomètre. Président. Je l'ai dit, kilomètre, il s'attoue. Je suis un peu plus de temps. Meka ya kuhita huto bubu yoke kilumbu mosi ya kese betu kena kese awa na pana kartye na betu Jamaïque yoke mosi ya bakartye yoke vanda na komine ya Kitambo yoke finana na Bandalungwa na kartye Luka na simetera Kitambo na bulu kilumba lelo kilumbu ya bubu yoke na po na ko samu na ko sala njila na beto ya Jamaïque bota tula yo asfaltage beto ke na kese mingi beto ke pesa matondo na président de la République Fati Beton sambu ya mesadia beto bima mosi ya kokonda pash beto ke na kese mingi beto ke tonda yandi mingi sambu ya keso la batu nyoso bo zinga na kimna mchindu mosi ambote. Merci beaucoup.
Allez,
Ici, avec votre collègue, nous avons vu où vous venez de faire un tour pour inspecter ces travaux. Bon, je préfère vous répondre en lingala. Pas de problème, dans la langue que vous vous sentez très à l'aise. Beaucoup, beaucoup plus à l'aise. Oui. Toya walelo, kola kisake, mokonzamboka azaraba kamaradite, mokonzamboka azaraba tamisala, biso toali batamisala ya mokonzamboka. Lelo yende toye, toye inspection. Makamwe Samalelo, il y a le programme présidentiel. Il y a rédité quelqu'un au faire à la Gombe. Congolais Ebe Mutuaka Luka, Congolais Mutuaka Oyo Tobengia Wana quartier Congo, Congolais Pe Mutuya Jamaïque. Programme Yamokonza Mboka, il y a que réduire l'inégalité sociale. Et là, il fallait que désenclaver Baïsikoyo, Kotia Banzela Malonga. Yango ngana moninga nanga ko ba côté technique biso to sa mosalote biso nde lisu ya mokondi to respecter constitution ya mboka bao ba sa mosala oyo eli sectoriel eli ministère ya travaux publics a zo travailler na OVD ba recruta ki société moko a ronse fois sa mosala oyo mais biso lokola eli mosala ya mokondi ya mboka président ane ba conseil na ye toyende kotala est-ce que bazako sala ngo lolenge mokonza mboka sengaki puisque mosolo bimi ngataka makama mosolo moninga ngataka makama ya technique ya infrastructure yango nde justifier présence na biso lelo mosala pezo monana bomoni yango ba béton nde zo sala ma kana mingi te d'ici tout ba à partir de lelo il faut compter 3 mois nyoso ekozala inauguré et bato bazaka olekaka na ndenge ya kimia
Alors Moussala en gros le yo qui para mingi ma matali mosolo. Mosolo en gros boni na Moussala auteur ya Moussala yo motuna yabi balé ezali pe ya koye ba boni ya koye ba boye. Ezali na kati ya 145 territoires to ezali ka programme moko mosusu ezali ki ya 100 jours to poursuite dans ezali programme no apina contenu. Oh yali programme présidentiel. Likamba 145 territoires ville à Kinshasa ezali na kati te. 145 territoires etali ba territoire. Mosolo boni boki no tuna ministre de finance. Parce que tu as ingaté. Ngana ne ko tala est-ce que ba décaissement ya zo sala et ko kanina niveau ya exécution ba travaux. Ngana tali si manela ko tala ka mambongo e bimaki combien. Soko pe otulinga question na nana ba chiffre tellement ebelé ya ba projet ebelé to landaka et à moi pas sina retenir, c'est pas ça le plus important. Le plus important décaissement ne ya sali. Est-ce que correspondre sur terrain ya taux d'exécution mo sala. Ndeli kamonga na eliyango wana. Est-ce que vous avez un kunde baloputo baloba vous a satisfait après avoir kosa la rondo yo na lisu kaka boy ningo mona misala. Nazali satisfait mais na kozala encore beaucoup plus satisfait tango tokoya ko inaugurer et que mokonzi aye ko inaugurer à kati bariban mituka bani ko leka nde na koloba ke oui mosala esili mais pour l'instant to ali lisu likolo ya lisu total hein soki ba ministre ba osala mosala na ndenge sengeli. Alors, technique, ingénieur David Moukeba, Ozali ingénieur également, na makambo Otali edit audit technique, tant aux évolutions bas travaux. Impression d'ini Ozali nango a. Bon, en général, misal les autres est bien. Mais surtout vu tout na na bomoto, nature humaine est perfectible. Ça veut dire que il y a quand même des choses sur les tokiti na terrain. Oui, ça là, quel pour vous à moi conseil, d'agissamoké ne tokita. Comment on a discuté avec l'ingénieur de travaux, ah wow, mais c'est pas un imbossali qu'à niveau on a retard. Habité, ça l'a pris en compte. Ça veut dire qu'ils avaient ouvrage assainissement, il fallait ça là avant. Mais ce n'est pas un problème à récupérer. Donc ça veut dire que nous veillons sur l'opérationnalisation, il y a des travaux sur le terrain. Et aussi, les normes sont allées respecter. Ils ont édité dans le standard, n'est-ce pas, par rapport à l'ouvrage. Alors, on a deux choix au sala par rapport à la chaussée. Ils ont la chaussée rigide et la chaussée souple. La chaussée souple, il y a prince, il y a macadam. Chaussée rigide, il y a le béton. Mais le choix est déterminé dans la configuration topographique dans l'environnement. C'est-à-dire, bassin versant à côté, ils ont un débit à Makassi, que à tel ancien, ceux qui battent la chaussée souple, ils ont bébara mingi. Finalement, l'option est qui levée. Et ça, la réalité, tout le monde est déjà, mais tu as calendé, tu as calendé, tu as adapté. Mais chef de l'État, il faut bien que le béton pas pour rien. Parce que, aligné effectivement, le ministère de l'Oya, que ce soit du béton, ça veut dire durable. N'est-ce pas? Ceux qui ont tombé, ils ont mort, qui sont morts, 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 que dans le régime passé, il y a deux semaines, trois semaines après, la dégradation est bandit. Il y a des gens qui ont fait des choses, il y a des instructions fermes. Il y a chaque fois que tu as fait des choses, tu as réveillé. Donc ici, là, au moment où il y a des chaussées rigides, pourquoi? Parce que le bassin versant, il y a un débit à Makassi, il y a des bébés. Il faut maintenant trouver un moyen, il y a collecter des mailles, pour faire sa orientation, pour moi, il va quand même arrêter. La personne en orientation peut être un déversoir naturel. Mais ah, tu as la chance. Il y a un déversoir naturel dans ma kélélé. Ça veut dire qu'il va canaliser Maïti et qu'il y a ma kélélé. Il y a un oiseau qui va travailler à ma kassi dans la canalisation pour normalement Maïkouna. Donc, jusque-là, ça va, ça tient. Moussa les a bien hormis quelques recommandations de ça. Namoni boleki boya wa bana kan luka bazolanda landa bino mingi bazotuna balobi mikonzi baye kotala message nyo ko lancer na bana kan luka parce que nyonso ba moni binote pona ko rassurer bango na fin ya ba travaux yo et puis na qualité parce que yo za technicien non ça veut dire président za président ba congolais oza congolais za na kan luka oza congolais za na quartier congo oza congolais za na fin fond ya RDC moko na mboka za ara moko za ami balete. Il y a un zoo là qui s'abandon que partout, mais ça les autres salama. Toujours rassuré, ben moi que chef de l'État a un souci. Il y a offrir na ban à Kanluka, na ban à quartier Congo, na ban à Jamaïque, ben infrastructure est bien pour aider ben moi non seulement bas se connecter mais bas se mouvoir aussi librement. Ça veut dire ben moi bima, mutago bima na 7 heures, comme à la ville na 10 heures, mais ça qui n'arrête depuis 7 heures, c'est normal, tu sais.
Alors, tu n'auras jamais que banda le développement au chef de l'État zolo parce qu'il a lingi na développer Congo, développement banda na banzela. Parce que ceux qui zéléza, mutoagogi ko évacuer, mutoago kutana baninga ba communauté mususpe mutoago sa magambebele. Alors, Ezali, aspect mort très important, oui, banda makamu Ezali technique. Nzela ngo Ezali ko Ezali wapi, bandeli wapi, bosa musala ngo ebandi wapi, e kokende wapi, e importance nango na katia sociale na batonde Ezali ko mouvoir ko mouvé, e importance nango Ezali nini et sur quel plan. D'abord, Banzela nyo surtout to rosa na Congo, objectif na biso za ko connecter ngo na grand centre de consommation. Biso awawa, tozaka na centre-ville. Jusque là, et d'ailleurs, dans ma quête, on a eu un moment où on a eu un moment où on a déplacé, n'est-ce pas, le centre d'activité de manière à l'éparpiller. Au moment que ce centre d'activité est éparpillé, on a eu un côté Gombe, on a eu un moment où on a eu un moment où Banzela nous surtout n'engue tout le biais à converger vers les Sikamoko. Donc, Zela la biseau principal, Ezali. Ah, Wande Tozana Nana Ezali, Kasavubu, Ezali 24, Ezali boulevard du 30 juin. Donc, Banzela nous surtout tous ça pour nous permettre Bana ya Congo, Bana ya quartier Congo, ya Jamaïque, ya Malueka. Oh, Banzela qui avant Matabisa, ça m'a donné 4-5 km à pied. Pour que nous bima, à que nous localolengi na nous envoie transport. Mais si quoi, on va nous l'objet transport, on apporte un dap. Tu vois, objectif à chef de l'État, à 1000 km, à 2000, Fatih a déterminé que tout ça là. Dernièrement, il a déterminé que, avant aussi sa mandat, moi, je suis au Congo, moi, je suis au Bima, on a voiture à Kéti Kassai. L'objet est impossible, mais dans les jours à venir, c'est très possible. Merci. Merci beaucoup.